Salut à tous les joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Safety Prono. Dans cette vidéo, je vais analyser avec vous, donner mes pronostics sur ce Grand Prix de Formule 1 qui se déroulera en Hongrie ce week-end. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ce Grand Prix de Formule 1, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 € offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre et vous suivre, vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc comme je vous l'ai dit, ce week-end, on se retrouve pour le Grand Prix de Hongrie. Donc la 37e édition de ce GP de Hongrie. La 13e manche de ces championnats du monde 2022 de Formule 1. Donc ce Grand Prix est composé de 70 tours de 4,3 km environ. Pour le programme du week-end, donc on a les essais libres ce vendredi à 14h, à 17h et la dernière séance samedi à 13h. Les qualifs seront samedi à 16h et la course démarrera dimanche à 15h. Donc si on fait un petit retour sur le Grand Prix de France de la semaine dernière, on a Charles Leclerc qui avait fait pole position après les qualifications, était suivi par Verstappen, Pérez, Hamilton et Norris. À noter qu'Alonso avait fait 7e, Ocon 12e et Gasly 16e des qualifications. Carlos Sainz avait fait 9e, mais à cause d'un changement de moteur, il a démarré la course 19e sur la grille de départ. Donc pendant cette course-là, dimanche dernier, donc on a Charles Leclerc qui a été devant depuis le tout début de la course jusqu'au 17e tour. 17e tour où il a perdu le contrôle de sa voiture. Il a donc fait un sorti de piste et il a été forcé d'abandonner. C'était vraiment une scène qui était vraiment impressionnante. On a entendu un cri de Charles Leclerc dans sa radio qui était vraiment qui a fait hérisser les poils de tout le monde. Vraiment, il s'en voulait. Il a dit au micro des journalistes, etc. Après qu'il ne savait pas si c'était un problème de la voiture ou de lui, mais dans tous les cas, il s'en voulait et qu'il ne méritait pas d'être champion du monde en faisant des performances comme ça. Donc, il s'en voulait. On va voir si dans ce Grand Prix de Hongrie, on verra un Charles Leclerc plus remonté et boosté que jamais. Au total, dans ce Grand Prix de France, c'est 5 pilotes qui n'ont pas terminé la course. Tsunoda, Leclerc, Magnussen, Latifi et Zhou. Donc au final, ces 5 pilotes-là ne sont pas allés au bout de ce Grand Prix. Pour le classement final, donc le Grand Prix de France a été remporté par Max Verstappen, était suivi par les deux Mercedes, Hamilton et Russell, suivi par par Perez et par Sainz 5e. Alonso a lui fini 6e, Ocon 8e et Pierre Gasly 12e. Donc on peut noter qu'on a une magnifique course de Carlos Sainz. Comme je l'ai dit avant, il a démarré 19e. Il a fait une très belle remontée en doublant un petit peu tout le monde pour au final terminer 5e. Donc il ramène des points précieux à Ferrari pour pas être entièrement décroché. Également des belles performances de la part des deux Alpines et aussi des deux Mercedes. Les deux Mercedes qui ont fini sur le podium. Donc c'est la première fois que ça arrive dans ce championnat 2022. Donc Mercedes qui revient de mieux en mieux, Grand Prix après Grand Prix. Et par contre, le français Pierre Gasly qui est toujours dans le dur, même à domicile, il ne performe pas. Donc ça fait plusieurs Grands Prix qui vraiment fait des résultats vraiment bien en dessous de ses capacités. Donc il est vraiment très très dans le dur depuis plusieurs Grands Prix. Donc si on fait un petit point sur mes pronos, donc on voyait de la petite cote grosse confiance avec le podium de Verstappen à 1,35. On voit également la belle cote des deux Alpines dans les points. Donc Alonso et Ocon top 10 à 2,28. Gasly, du coup, avec sa mauvaise performance encore ce week-end, il nous enlève deux pronostics, son top 10 et son top 6. Et également, du coup, l'abandon de Charles Leclerc qui nous enlève le pronostic Verstappen et Leclerc top 6. Donc, à chaque fois, il y en a un qui finit pas la course ou quoi, ou qui fait une mauvaise course. Après, c'est ce que je disais dans la vidéo la semaine dernière, c'est un peu les aléas de la Formule 1. On ne sait pas forcément qui ira au bout du Grand Prix ou pas. Il y a beaucoup de facteurs et c'est l'aléatoire. C'est impossible de prévoir les accidents, etc. qu'il y aura, même les fiabilités des voitures. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous le dis, sur la Formule 1, ne misez pas forcément gros car c'est assez risqué. Il y a beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas forcément imaginer et anticiper en amont de la course. Si on fait maintenant un petit retour sur le Grand Prix de Hongrie de l'année dernière, on s'en rappelle tous, je pense. Donc les qualifs, c'était Hamilton qui l'avait emporté, était suivi par Bottas, Verstappen, Perez et Gasly. Leclerc avait fait 7e, Ocon 8e et Alonso 9e des qualifs. Et donc la course, on s'en rappelle tous, ça a été vraiment mémorable, surtout pour nous les Français. Donc on a eu un départ qui était très spectaculaire, car dès le premier virage, on a eu un accident qui a engendré l'abandon de 4 pilotes, Stroll, Leclerc, Pérez et Bottas. Donc surtout des pilotes qui auraient pu aller au bout et faire une bonne course, donc pas mal de favoris qui directement dès le premier virage ont dû abandonner. Et au total, dans cette course, ça sera 6 pilotes qui ne termineront pas la course, avec les abandons de Norris et de Mazepin quelques tours après. À la suite du coup de la voiture de sécurité, du drapeau rouge, etc., de ce premier tour,
On avait ensuite une bataille très intéressante entre Hamilton et Ocon, bataille finalement remportée par le Français pour sa première victoire dans un Grand Prix de Formule 1. Il était Esteban Ocon qui était très très bien aidé par son coéquipier Alonso qui a fait un énorme boulot en défendant plusieurs tours sur Lewis Hamilton qui faisait une remontée. Après être parti en départ arrêté seul sur la ligne de départ car tout le monde était rentré au stand, il a finalement dû s'arrêter quelques tours après et donc il est retourné dans le trafic assez au bout vers les dernières positions. Il a fait une remontée incroyable à Hamilton et au moment de remonter sur Alonso qui a hyper bien défendu et qui a fait perdre pas mal de tours à Lewis Hamilton et au final il n'a pas réussi à rattraper assez de retard pour dépasser Ocon. Donc Ocon, sa première place, il la doit énormément à Alonso qui a fait un boulot monstre. Et donc le classement final, donc Esteban Ocon qui a terminé premier, Vettel qui était deuxième, mais au final il a été disqualifié après coup car il restait pas assez d'essence dans sa monoplace. Suivi par Hamilton, troisième du coup qui finira à deux car au final tous les pilotes derrière Vettel ont gagné une place suite à sa disqualification. Donc Hamilton au final il était troisième, il a fini deuxième, suivi par Sainz et Alonso. Gasly a donc fini cinquième et Verstappen neuvième. Donc on avait un très très bon GP de Hongrie avec la pluie, la piste mouillée du début, mais on a eu pas mal de spectacles dès le premier virage. À voir ce que ça va donner en tout cas. Après ce Grand Prix, on aura une petite pause d'un mois un petit peu où les pilotes pourront être en vacances avant la reprise de Formule 1 du coup dans un peu plus environ un mois. Donc là, à voir ce que ça va donner en tout cas. J'espère voir un Grand Prix assez spectaculaire tout comme celui de l'année dernière l'été. En tout cas, pour mes pronostics, les voici. Donc pour ce week-end, choisis donc le podium de Charles Leclerc à 1,35 comme grosse confiance, petite cote. Donc comme je vous l'ai dit à la semaine dernière, j'aime bien quand il y en a un qui gagne, j'aime bien partir sur l'autre le week-end d'après. Donc là, le week-end dernier en France, c'est Charles Leclerc qui a vraiment fait une performance pas terrible, comme je l'ai dit au 17e tour où il a dû abandonner après être sorti de piste. Alors qu'il était en tête assez confortablement, au final c'est Verstappen qui s'est imposé. Charles Leclerc, il a encore dit cette semaine que même si tout le monde le prend pour un fou, lui la victoire finale dans ces championnats du monde, il y croit encore. Pour lui, rien n'est fini, même si Ferrari a beaucoup de retard sur Red Bull et lui, Charles Leclerc, a beaucoup de retard sur Verstappen, il y croit encore. Et donc ça va forcément passer par des bonnes performances dans les Grands Prix qui suivent. Et donc je pense qu'après vraiment avoir fait une mauvaise performance en termes de pilote le week-end dernier, et ben là, il se doit de revenir plus fort que jamais, de faire une bonne performance après la petite trêve de vacances. Donc je pense qu'en tout cas, on aura un bon Charles Leclerc sur ce Grand Prix. Et je pense que si sa voiture, elle va jusqu'au bout et elle tient le coup, je pense que Charles Leclerc fera pas d'erreur comme la semaine dernière. Donc je pense que son podium, ça peut être assez safe. Ensuite, je suis envie de partir sur Verstappen et Hamilton top 6 à 1,50. Donc même si je vois Leclerc finir sur le podium et potentiellement gagner la course, Verstappen et Hamilton, on voit que GP après GP, ils font quand même d'énormes performances. Donc je pense que tous les deux se battront pour le top 6. Hamilton, le GP de Hongrie, c'est un Grand Prix qui lui réussit beaucoup. Il a remporté beaucoup de fois ce Grand Prix-là. Donc je pense qu'il peut encore une fois faire une bonne performance. Mercedes qui revient vraiment très très bien. Et surtout Hamilton. Verstappen, même s'il ne gagnera pas la course, il sera pas loin de Leclerc, je pense. Donc je pense que ces deux pilotes-là, top 6, ça peut être intéressant. Et pour combiner un peu les deux pronostics-là, le Verstappen, Hamilton et Leclerc, tous les trois finissent dans le top 6 à 1,80. Ça peut être intéressant. Je pense que la moitié du top 6 sera composée de ces trois pilotes-là. En tout cas, c'est vraiment les trois plus gros favoris, à mon sens, ce week-end. Ensuite, la cote que j'aime bien tenter, elle me réussit pas mal, donc je vais de nouveau dessus. Donc le Alonso et Ocon top 10, les deux Alpines dans les points, coté à 2,17. Donc à chaque fois, c'est une très belle cote et de nouveau ce week-end. Et en ce moment, ça passe quand même assez régulièrement. Et j'ai envie de croire en Esteban Ocon, le Grand Prix d'Hongrie avec des circonstances vraiment en sa faveur, etc. En tout cas, ça lui a bien réussi l'année dernière. Pourquoi pas encore faire une bonne performance pour fêter l'anniversaire de sa première victoire, j'ai envie de dire. Donc en tout cas, les deux Alpines dans les points, ça peut se tenter. Et ensuite, pour la grosse cote, pour tenter un petit peu le coup des Frenchies du français, Esteban Ocon finit dans le top 6, coté à 3,25, pour une petite pièce et pour vibrer sur le français. Si on a de nouveau un peu un coup de chance comme il a eu l'année dernière, pourquoi pas, en tout cas, bien célébrer l'anniversaire de sa première victoire par encore une très bonne performance ce week-end. Le top 6, il en est jamais bien loin. Quand il finit dans les points, il est jamais bien du top 6. Donc, suffit de quelques abandons devant ou quoi, des pilotes un petit peu qui font des accidents et qui sont forcés d'abandonner ou des voitures qui lâchent et ça peut le faire. En tout cas, on va pousser fort derrière le français et pourquoi pas, avec un peu de chance, une deuxième victoire dans le deuxième, dans un autre GP de Hongrie pour lui, à voir. En tout cas, le top 6 peut se tenter largement. Donc voilà, c'était mes pronostics.
Comme d'habitude, ben, si vous souhaitez suivre un de mes pronostics et miser dessus, par exemple le top 10 d'Alonso et d'Ocon, donc les deux Alpines finissent dans les points, coté à 2,17. Si vous mettez vos 100 euros de backlink dessus, si ça passe et que les deux Alpines finissent dans les points, vous remporterez 217 euros. Et si ça passe pas, backlink vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte. Donc voilà, c'était Léo, de pas mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à Rue des Joueurs, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo vos avis, vos pronostics sur ce Grand Prix de Hongrie de ce week-end. Et ben, nous on se retrouvera du coup ben, pour de prochaines vidéos sur le foot qui reprend très très vite et on a beaucoup beaucoup de contenu qui arrivera dans ce début de mois d'août sur la chaîne Rue des Joueurs. Voilà, c'était Léo, on se retrouve à la fin, allez, ciao tout le monde!